www.casarema.fr. Christ est la maison qui va nous apporter la parole de Dieu. C'est un homme maintenant polyvalent. Amen. Je ne sais pas ce que David a fait plus. Amen. Il est diacre. Il est maintenant le futur. Il est maintenant le président de la jeunesse parce que maintenant la jeunesse, nous avons établi un système où il y a des rotations de présidents. Celui-ci travaille 2 ans, un autre 2 ans, 2 ans pour que tout le monde puisse accéder à cette formation parce que pour ma part, la jeunesse, c'est un lieu où on prépare les futurs pasteurs. Amen. Moi, j'ai été président des jeunes pendant 4 ans et ça m'a appris à diriger les jeunes. Il est aussi prédicateur, il prêche bien, il a l'onction, il chante bien. Amen. Et il est marié. Enfin, sous vos acclamations, vous recevez. L'homme est Dieu, Père, guérite-toi. Acclamons le Seigneur très fort. Merci à toi, le Seigneur, pour cette acclamation du Seigneur. Présentez-le nous à la gloire, le Seigneur. Je suis
monde. Il y a plusieurs thèmes qui ont été chantés dans le monde. Mais il y a un seul nom qui mérite louange, honneur et adoration. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Je ne peux plus vous saluer la personne qui a à côté de toi en disant quelque chose de bien. En lui souhaitant un merveilleux culte dans la présence de Dieu. Merci à papa et maman pour cette grâce, pour cette opportunité. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Ce n'est pas nos capacités, parce que Dieu sait combien nous sommes incapables d'accomplir les tâches. Et si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que lui nous capacite pour cela. Amen. Je vous prie d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28. J'ai besoin de papa Donald, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 28. Le thème de mon message ce matin, c'est ce que l'Église a oublié. Dis à celui qui a côté de toi, ce que l'Église a oublié. Matthieu, chapitre 28, le verset. Merci. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais la partie qui m'intéresse est celle-ci. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tiens, celui qui est à côté de toi. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon père, quand j'avais dit, c'est ce que l'Église a oublié. Et d'emblée, nous voulons dire que quand nous lisons cet extrait des Saintes Écritures, nous nous apercevons que c'est la clôture du dernier chapitre. Et bien sûr, cela, c'est la dernière phrase, le dernier verset d'un chapitre qui parle de l'enlèvement du Christ. Il allait sur la montagne que Jésus-Christ avait choisi afin d'être enlevé devant eux pour le ciel. Et avant qu'il ne parte, il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous constaterez aussi avec moi qu'il parle non simplement des disciples, mais cette parole traverse le temps pour parler et dire tous les jours, car ces hommes n'avaient pas un mandat de rester tous les jours. Mais cette phrase, cette verset, ce passage avait la capacité de traverser le temps. Jean et Paul se sont arrêtés, Pierre se sont arrêtés, mais sa parole ne s'est pas arrêtée. Alléluia. Et la première des choses que l'Église a oubliée, c'est celle-ci. C'est que nous avons toujours, et nous avons le refrain de dire que Jésus revient bientôt, en oubliant que Jésus est toujours dans son Église. Nous voulons toujours dire que Jésus revient bientôt. Mais très souvent, nous ne disons pas qu'il est au milieu de nous. Jésus a dit, je m'en vais au Père, mais tout en disant, je suis avec vous. Tous les jours, je vais dire à quelqu'un que ton Père peut te quitter, tu peux avoir un télestage parental, mais tu n'auras jamais le télestage divin. Alléluia. Dans notre grand thème, non, si dans le lien Jésus-Christ, nous voulons parler de quelque chose qui est fondamental. C'est que l'Église a oublié la présence de Jésus dans son Église. Nous sommes trop dans les choses éphémères. Nous avons oublié le principal de nous attacher à celui qui est présent au lieu de s'attacher à celui, à ces choses auxquelles nous courons derrière. L'Église a en fait se comporte comme des enfants. Mettons du descendre dans la maison. Mais quand il sera 16h, il faut arranger ta papa à 17h sera là. Et on croit que Dieu est ainsi. Il va au travail le matin. Et avant qu'on revienne le soir, il faudrait qu'on arrange la maison. Parce que Dieu ne supporte pas le descendre à 17h. Il risque de taper les arts. Bien aimé, le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu avant que le jugement ne commence dans le monde. Alléluia. Et c'est cela que nous oublions. Nous voulons nous attacher certainement à des choses grandes et merveilleuses. Mais ce que nous oublions premièrement, Église, il y a Jésus qui est encore avec toi. On oublie si facilement qu'il est avec nous tous les jours.
On peut se sanctifier pendant deux jours, oubliant que le troisième jour aussi il est là. On peut l'aimer pendant deux, trois jours, oubliant qu'on peut qu'il être là le quatrième jour. On croit qu'on peut jeûner pendant un moment, se sanctifier pendant un moment, oubliant qu'il est là tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur. En lisant ce passage, nous décédons certaines choses auxquelles nous ne faisons pas attention, mais ces choses sont très importantes. Jésus est en train de dire aux disciples, aux futurs apôtres et à nous qui sommes présents, c'est vrai, il y aura des tribulations, c'est vrai, vous allez être persécutés, c'est vrai, il y aura des signes, des prodiges et des miracles, mais le plus important, ce n'est pas cela, c'est la dernière parole qui est la plus importante. Il dit, je suis avec vous. Je suis pour le texte d'aller en retraite, je viens d'une retraite. Mais n'oublions pas une chose, à chaque minute, à chaque seconde, Jésus-Christ est au milieu de nous. Alléluia. Mais ici, on voit quelque chose de merveilleux. Il dit juste à la fin du monde. Cela veut dire que Jésus est en train de montrer qu'il y a une fin à toutes choses. Ce monde disparaîtra, tout s'arrêtera. Et il y a en train de dire, juste à la fin du monde, ça veut dire, sachez que pendant que je suis là, il y a une fin qui arrivera. Il y a un moment où tout va s'arrêter. Ce chapitre ne s'arrête pas sur le fait qu'il parle simplement de sa présence, mais il parle aussi du fait qu'un jour, tout va s'arrêter. Et si vous regardez cette dernière phrase, il parle à ceux qui sont présents. Mais à ceux aussi qui viendront. Il parle à ceux qui sont là physiquement, mais il parle aussi à ceux qui sont loin physiquement, ainsi que géographiquement. Cette parole ne concerne pas simplement ceux qui sont sur la montagne. Cette parole concerne aussi ceux qui sont aujourd'hui à la compassion. Cette parole ne concerne pas simplement ceux qui sont aujourd'hui à la compassion. Cette parole concerne aussi ceux qui seront demain gagnés pour Jésus. Cela revient à dire, bien aimé, que nous avons le même Jésus que Pierre. Nous avons le même Jésus que Paul. Nous avons le même Jésus que Jean. Il a dit, je suis. Il y a quelque chose qui ne change pas. Quel que soit le temps, le passé, le futur, il y a quelque chose qui ne changera jamais. Il s'appellera toujours, je suis. Viens avec moi, je suis. Il s'appellera toujours, je suis. Il dit, si on suit cette composition grammaticale, nous allons dessiner une certaine faute. Mais en réalité, c'est le même temps. Il est en train de se présenter. Parce qu'on lui dit, je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Quelle que soit la variante du temps, je traverse le temps. Je ne connais aucune limite. Je ne connais ni les changements, ni l'ombre de variation. Je ne connais pas de transformation. Je suis celui qui était avec Moïse, celui qui était avec Paul. C'est le même, dans la même capacité, dans la même qualité, dans la même puissance. C'est celui-même à qui est avec nous ce matin. Et de quoi nous confessons le Dieu de Moïse étant plus fort que le Dieu de Paul? Non, ce n'est pas le Dieu de Moïse qui est plus fort que le Dieu de Paul. Vous allez comprendre le Dieu de Paul. Je suis Seigneur, c'est la même personne. Bien aimé, ce n'est pas encore la fin, cela ne veut pas dire que je le dépôt final de la présence de Dieu. Ce n'est pas encore la fin, ça ne veut pas dire. Parce que nous voyons simplement notre Jésus et simplement notre Jésus sans en omettant qu'il y a aussi d'autres personnes. Pendant que lui voyait qu'il était seul, il y avait encore 7 000 qui n'avaient pas encore péché. Que seul il y a faisait les armes. C'est pas encore la fin, je crois en lui. C'est ainsi. C'est pourquoi je peux déclarer avec force et joie mon Jésus est vivant. Et il est avec moi. Cette portion des évangiles nous dit aussi, nous informe que celui qui est avec nous ne change pas, ne connaît ni de changement ni ombre de variation. Il ne vieillit pas et n'a pas changé. J'ai vu et je marche avec celui qui fait cesser la tempête. Je suis en train de dire, c'est vrai, peut-être que je ne marche pas sur les eaux aujourd'hui, mais le Dieu de Pierre, le même Jésus que Pierre, c'est le même Jésus que j'ai aujourd'hui. Il permet et il veut que j'accomplisse ces bonnes choses pendant que les autres
ne font rien si ce n'est réclamé le Seigneur. Il se présente tout en parlant parce qu'il sait qu'il est avantageux que Christ reste en âme pour le temps. Et il est enlevé au ciel tout en étant avec nous sur la terre par son esprit. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui se soit présenté comme lui. Bien-aimés, je fais des recherches. J'ai cherché la personne, les prophètes qui se sont présentés dans la Bible en disant je suis. Je n'ai pas vu. J'ai cherché des hommes. J'ai cherché. Quelqu'un qu'on appelait je suis. Quelqu'un qui s'est présenté comme je suis. Je n'ai trouvé aucun homme. Mais je suis allé dans le livre de nouveau, dans la Bible, dans mon Nouveau Testament. J'ai demandé une personne. Qu'il y avait une seule personne qui pouvait se présenter tel qu'elle. Jésus-Christ de Nazareth s'est présenté en disant je suis. Et cette fois, il a dit, en fait, c'est 8 fois, on parle de 7 fois, sans compter la 8e fois où il est en train de parler aux Juifs concernant Abraham. Cette fois, il est en train de déclarer ce qu'il est vraiment. Ce que l'on prie, l'Église a oublié, c'est que Christ est vraiment. Nous avons oublié ce que Christ est vraiment. Bien-aimé, quand tu perds ton identité, tu perds ta route. Et quand tu perds celui qui t'accompagne, tu te perds dans une forêt. Et l'Église a oublié ce qu'est Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas au devant de l'Église, ni le chef de l'Église. Mais Jésus-Christ est devenu, permettez-moi de le dire, le receveur de l'Église. Et nous le constatons, Moïse est passé, Jacob aussi, David et tous les prophètes sont passés. Personne n'a dit je serai, je suis. Mais un seul a dit, même après mon départ, je suis avec vous. David, dans toute sa puissance, n'a pas dit « Je suis avec vous ». Esaïe, dans toute sa puissance, n'a jamais dit « Je suis avec vous ». Même le prophète Moïse n'a jamais dit dans toute sa puissance « Je suis avec vous ». Un seul est venu sur la terre et un seul a dit « Je suis avec vous ». Alléluia. Je voudrais dire que Jésus est plus grand que Moïse. Parce que Moïse a tapé le rocher tandis que Jésus m'a obéi sur le naissance à la mort. Alléluia. Jésus est plus fort. Bien-aimé, nous le constatons, Moïse est passé, Jacob aussi, David, tous les prophètes sont passés, les premiers apôtres sont passés, les pères du réveil sont passés, mais un seul n'est pas passé. C'est Jésus-Christ. Parce que cette parole subsiste à jamais. Je suis avec vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Essayons de comprendre ce passage. Il dit, hier, Jésus, je suis. Aujourd'hui, Jésus, je suis. Éternellement, Jésus, je suis. Quand Paul dit hier, il fait allusion à une époque, non pas à une journée précédente. Il parle de l'époque d'Abraham, de l'époque d'Isaac, de l'époque de Moïse, jadis hier, l'époque où il n'y avait pas de grâce, où il y avait la loi. Et dans Jean chapitre 8, verset 56 à 58, Christ dit aux Juifs, vous savez, compère Abraham et lui a tressaillé les saints qui verraient mon jour. Il a vu. Christ, Abraham a vu le Christ. Alors les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Et il répondit en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tu n'as pas encore 50 ans, mais tu dis que tu as déjà vu. Tu n'as pas 50 ans. Mais il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ainsi, Jésus se présente aux Juifs comme étant lui le Dieu qu'Abraham rencontra. C'est pourquoi, bien-aimé, il était l'objet de la visée des Juifs. Pourquoi? Parce qu'encore en disant cela, il était en train de faire passer un message. Le Dieu qui a commencé votre histoire, c'est moi. Genèse 17, verset 1er, je suis le Dieu tout-puissant quand l'Éternel apparut à Abraham. Vous verrez que le même verbe, le même nom, le même sujet utilisé par Jésus, c'est la même présentation utilisée par Dieu lui-même.
Je suis le Dieu Tout-Puissant. Quand l'Éternel a paru à Abraham, Genèse 17, verset 1er. Exode 3, verset 6. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se couvert le visage, évitant de regarder Dieu. Hier, il a été je suis, c'est pourquoi, quand il vient dans sa croix, Abraham, il descendit en Égypte. Et là commence une grande guerre spirituelle, car Dieu va délivrer son peuple auprès des autres dieux. Il ne croit pas tous les dieux de l'Égypte. Et derrière ceci, il y a l'enseignement qui en découle, voulant simplement dire, l'Éternel est je suis. Maintenant, parlons de ce que l'Éternel est hier. Quand nous arrivons en Égypte, bien-aimés, ce peuple va en esclavage et en esclavage. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le roi qui a connu Joseph n'est plus. Et celui qui vient d'accéder au pouvoir n'est plus le même. Il ne connaît ni Joseph ni l'histoire de ce qui s'est passé précédemment. Et il va soumettre tout ce peuple à l'esclavage, non seulement de la loi, mais de ses dieux aussi. Donc Israël en Égypte, les Hébreux en Égypte, étaient sous la loi de Pharaon et sous les yeux des Pharaons. Ainsi, pour sortir Israël de l'Égypte, il lui fallut que Dieu vienne en Israël, en Égypte, descendre lui-même, afin de frapper tous les yeux d'Égypte. Et cela, bien aimé, que notre notion d'idole vient s'accorder avec notre terre de ce matin. Le premier Dieu qui dit frapper s'appelle Api. Qui avec moi Api. Api était considéré comme étant les dieux, un dieu de fertilité. Ainsi, en portant Api, il veut simplement dire je suis capable de rendre fertile ce qui n'a pas mes vies. Dieu parle à ceux qui apportent les vies dans le livre de Genèse et la terre produisit de la vertu. Alléluia. Les Égyptiens comprenaient que leur Dieu, c'était ceux qui étaient capables de donner de la fertilité au sol, de donner de la fertilité au monde. Mais quand Dieu vient pour montrer aux Égyptiens que ce n'est pas Api, mais c'est moi l'Éternel, qu'est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord frapper Api. En frappant Api, il vient montrer aux hommes. Ce n'est pas lui Api qui a sorti la vertu du néant, mais c'est moi Dieu qui ai créé toutes choses dans le néant. Et la deuxième idole qui fut frappée, c'est Eketh. Dis avec moi Eketh. Exode chapitre 7, verset 28 à 29. C'est Eketh représentait, était représenté par une grenouille pour les Égyptiens. Et cette grenouille était Dieu, considéré Dieu, donnant le souffle de vie aux êtres et accompagnait le roi dans son ascension. C'était ce que Eketh avait comme signification et ce qui était vu aux yeux de ce peuple. Mais quand Dieu vient frapper les textes, dans les sens 7, quand il va la main, c'est pour dire, je suis celui qui créa l'homme à mon image et à la à sa place. Alléluia. Ainsi, le point nous voit que dans mon famille, il y a des personnes qui sont capables de dire, de la même manière que moi j'étais en train de dire, je suis capable de le trouver. Si tu es en train de te dire ce matin, je ne sais pas. Pour les Égyptiens, c'est les textes, mais pour toi, je ne sais pas qui est l'oncle, qui est le père, qui est ce sorcier dans cette famille. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il sera terrassé au nom de Jésus. Et la troisième défaite d'une des idoles, c'était Irta. Dans Exode 8:12, on pensait que Irta, qui avait créé la terre, est représenté sous la forme d'un serpent. En frappant une nouvelle fois Irta, pour voir une nouvelle fois, parce que déjà au commencement, comme changement, Moïse s'est présenté au devant de Pharaon. Il y a eu ce combat entre le bâton de Moïse, la verge de Moïse et la verge des magiciens. Et la Bible dit qu'il envoie toute la verge. La verge de Moïse envoie toutes les verges des magiciens. Ainsi que, en frappant Israël, il est simplement en train de dire, je suis le Seigneur qui a créé les cieux de la terre. La quatrième défaite, c'est le Dieu et l'Église. Exode 8, chapitre 20. Pensant que celui-ci est protecteur des animaux venimeux, en le frappant, Dieu est en train de dire, je suis celui qui fait.
animaux. Et ce qui se trouve dans l'eau, dans les plaines, dans la terre et dans la forêt, serait les créateurs de toutes choses. La cinquième défaite, c'est la défaite du dieu Apis. Exode 9, verset 3. Apis est le taureau sacré, invoqué pour la protection des troupeaux. En frappant le bétail, Dieu est en train de dire ceci: je suis celui qui créa tous les animaux. Défaite numéro 6, défaite du Dieu Cons. Exode 9, 9 à 10. Considéré comme guérisseur de maladie, celui qui bannit tout mal, mais en frappant l'air de Dieu, il leur dit: je suis celui qui guérit toute maladie et qui chasse tout mal. Défaite numéro 7, c'est Dieu qui a appelé Mine. Exode 9, 22. Considéré comme les dieux de la pluie, en frappant la bête et les hommes par la terre et non par la pluie, il leur dit: je suis le seul à contrôler les cieux et la terre. Défaite numéro 8, c'est Dieu, IAS. Exode 10, 12. Considéré comme celui qui donnait l'énergie nécessaire à la croissance des herbes, et notamment du blé, mais en le frappant, il veut dire: je suis celui qui déclara la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence selon leur espèce. Je reste pas en douce. Neuvième défaite. Le dieu Amon, associé, comme on l'a eu en cours de l'histoire, à Mora, Dieu soleil. Mais en frappant leur dieu, il prouve qu'il est le véritable soleil de la justice, en plongeant toutes les chiffres dans les ténèbres. Oh, mes chers, la dixième défaite. La défaite de Pharaon lui-même, Exode 12, 22, considéré comme lui-même Dieu. C'est à tort que le fils de Pharaon est considéré comme Dieu. Et en autant son fils béni, il lui montre que la durée de vie sur terre est entre ses mains. Donc il a pas compris la durée de vie sur terre est entre ses mains. En faisant cela, il dit: je suis la vie. Le point ne se limite pas à dire hier, il dit aussi: est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Bien-aimé, il s'est présenté comme je suis, quelqu'un qui terrifie, quelqu'un qui, dont le peuple est en train de célébrer un Dieu qui terrifie. Mais quand on vient là aujourd'hui, c'est autre chose. C'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Et il dit ceci: je suis le pain de vie. Je n'ai jamais Jean chapitre 6 verset 35. Je suis la lumière du monde. Jean 8 verset 12. Je suis la porte de brebis. Jean 10 verset 9. Je suis le bon berger. Jean 10 verset 11. Je suis la résurrection de la vie. Jean 11 verset 25. Je suis le chemin, la vérité de la vie. Jean 14 verset 6. Je suis le précepte de mon père et le vigneron. Jean 15 verset 1. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que Jésus n'est pas simplement venu à l'époque de Pierre et de Jean, mais Jésus a été depuis le commencement. Le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous avons convié, a été depuis le commencement. Et vous remarquerez que hier, non pas le Paul, il se réfère à la puissance de Dieu démontrée, au nom et au nom qu'il a créé, mais dans son aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, montrant ce qu'il peut faire avec l'homme. J'étais en train de dire, pendant qu'hier, on est en train de parler d'un Dieu qui terrifie, qui fait peur. Un Dieu qui est capable de terrasser toute une nation. C'est que Dieu est capable de démontrer au monde pour que le monde reconnaisse ce qu'il est vraiment. Mais, donc aujourd'hui, le Dieu, on est en train de montrer un Dieu, non pas qui terrasse, mais un Dieu qui aime et qui sait descendre au milieu des hommes. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il marche avec nous, qu'il est avec nous. L'Église a oublié qu'aujourd'hui, Dieu est un Dieu d'amour. Pendant que ce Dieu ne pouvait pas s'approcher de Dieu, tout en tremblant, car même si une bête touchait la montagne, il serait mort. Dieu n'est pas simplement celui qui fait peur, mais aujourd'hui, il est avec patience. Et c'est cela que l'Église a oublié. Et pour comprendre cela, Luc chapitre 24, verset 52, l'Église a oublié ce qui fait notre joie. Ce qui fait notre joie, ce n'est pas sa puissance. Ce qui fait notre joie, ce n'est pas son onction. Ce qui fait notre joie, ce n'est pas le fait que nous ayons des maisons, des possessions. Mais ce qui fait notre
fait qu'il est mort et ressuscité. Et nous avons l'unité avec Dieu, et nous disons au Dieu de Moïse, j'invite ou j'invoque le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Des fois, l'Église a oublié que le Dieu que tu invoques, qu'il soit celui d'Abraham, celui de Paul, c'est le même, c'est Jésus. Le Dieu d'Abraham n'est pas plus puissant que ton Dieu. Mais le Dieu d'Abraham est le même que ton Dieu. Ce n'est pas sa puissance, mais c'est sa présence. L'Église désire la puissance plus que la présence. L'Église désire les attributs plus que sa personne. Et vous, pour finir, tout ceci, c'était pour emmener quelque part. C'est que l'homme, c'est que l'Église a oublié. Tu peux changer de musique. L'Église a oublié quelque chose de merveilleux. C'est que Dieu lui a donné, il lui a donné une capacité forte et puissante de comprendre les choses auxquelles elle a été appelée. Mais l'Église méprise cela pour rechercher le Dieu qui était ou qui est dans le hier. Et une fois, pendant que je préparais ma prédication, pendant que je préparais une prédication que je devais donner, j'étais dans ma chambre. Je dis à mon épouse, excuse-moi, j'ai besoin de m'enfermer. J'ouvre la Bible. La première chose que je me pose comme question, quelle est la dernière fois où tu as ouvert la Bible pour que la Bible elle-même te parle? Quelle est la dernière fois que tu t'es enfermé dans ta chambre pour que la présence de Dieu ne soit pas pour toi ou à l'intérieur pour que tu prêches quelque part? Quelle est la dernière fois que tu m'as élevé, frère? Quelle est la dernière fois que tu es resté avec moi? Jeune homme, non pas parce que tu devais prêcher quelque part, mais jeune homme, non, parce que tu avais besoin de rester avec moi. Yes. Amen. Quelle est la dernière fois? Nous disons que nous avons le même Dieu que Paul, nous avons le même Dieu qu'Abraham, mais pourquoi y a-t-il cette différence? Parce que nous n'avons pas les mêmes choses. Et comment veux-tu que ton patron se convertisse?
Je ne suis pas contre le fait que vous allez au travail. Mais je me pose la question. Tu viens à l'église, tu es pressé de regarder ton âme, et il va descendre la table. On doit aller au travail. On doit aller. Ok. Mais la dernière fois que toi-même, que toi, tu t'es dit, je suis en retard. Je suis en retard de culte. Je n'ai même pas mis le moto. Quelle est cette dernière fois? Quelle est la dernière fois où tu as pensé à Dieu? Non pas parce que tu veux aller le prêcher ni le chanter, mais parce que tu l'aimes et tu le désires. J'étais fiancé, je parlais, je partais tout le temps à ma femme. Quelle est la dernière fois? Seigneur, pardonne-nous. Et on est là, Seigneur, la Bible elle est vraie, elle est véritable. Il faut appliquer les principes. Pourquoi les idoles prennent de l'ampleur aujourd'hui? Mais parce que les hommes ont cessé de les dire. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas autre chose. Les gens ont cessé d'aimer Dieu. L'église a oublié d'aimer Dieu. Et certaines personnes viennent à l'église parce qu'ils ont un service. Oui. C'est parce que je suis bien avec que je vais être là. Si je ne suis pas là, qui va présenter les cahiers au pasteur? Hein? C'est parce que je dois chanter que je suis là. Entre une sondine et chanter à l'église, qu'est-ce que tu peux faire? Entre être ici et être à la qu'est-ce que tu peux faire? Et nous avons réduit Dieu à un Dieu silencieux. On dirait qu'il n'est pas là. Non, il est là, mais il est en train de te juger. Prédicateur, la dernière fois que tu as ouvert la Bible et t'as prêché toi-même, c'est quand? Les révélations, c'est pour les autres, hein? Pas pour toi. C'est pour toi aujourd'hui la sanctification. Les gens sortent. Mais nous, on ne peut pas se sanctifier. On est capable de jeûner 2 semaines, 3 semaines pour voir le miracle. Mais tu n'es pas capable de jeûner 2 semaines, 3 semaines pour rester avec Dieu. Est-ce que tu l'aimes? La dimension. L'aide. L'idolâtre. Maman, dis-moi. Mon épouse m'a montré quelque chose. Elle était maman quand je suis allé les saisons de quoi? Il y a une maman qui venait ma peine d'accoucher, mais qui venait l'intercession des femmes. Maintenant, elle est partie. Maman disait maintenant à tout le monde qui était laissé. Ouais, la maman là, elle vient d'accoucher. Une maman qui est capable de laisser son bébé quelques jours, venir à l'intercession, elle est arrivée. Mais pour les dieux, nous sommes les premiers de justification. Je n'avais pas les transports. Et lui, ce n'est pas une entreprise pour payer dans les transports pour venir avec Dieu. Amen. Et lui, c'est une agence de transformation pour amener les gens au ciel. L'église a oublié
que Dieu viendra tous les jours, je dis bien tous les jours, pas un seul jour, tous les jours, pour voir si Isaïe n'a pas pris la place de Dieu et qu'elle viendra. Parce que Isaïe avait déjà pris la place de Dieu à l'époque de Sarah. Son fils, il voit le fils de l'autre en train de vivre. Qu'est-ce qu'il dit? Ses fils, le fils de ta servante là, ton fils ne peut pas éviter avec mon fils. Imagine, à l'amour de notre héritage, pour avoir la séca. Donc imagine cette épaisse, Isaac. Donc, sans que tout ça, ça va pas soit pour rien là. Imaginons tout à l'heure ça. Ça va devenir dur dans le cœur. Pardon, ça devient dur dans le cœur. C'est ça. Mais quand Dieu vient demander, il ne demande pas à Sarah. Il demande à Moïse. Ah pardon, Abraham. Merci, pardon. Quand il demande à Abraham, il sait qu'Abraham est déjà tombé dans ces jeux-là. Il sait qu'Abraham aime aussi Isaac. Mais il dit donne-moi. Parce que c'est à toi que j'ai parlé en premier. Et ce qui est grave, c'est qu'il ne va pas l'offrir dans une montagne côté. Il va l'offrir dans une montagne où il faut marcher 3 jours. Donc il teste son amour et son obéissance jusqu'à la fin. Parce que beaucoup de gens ont accueilli le royaume de la zone. Il teste son obéissance jusqu'à la fin. Il teste ça. Mais il y a quelque chose que j'aime. Si ça a des héritages, mais Dieu. Afin que toi et moi, nous soyons connectés de Christ. Imagine, toute la gloire de Jésus, nous aussi nous l'avons de nous la partager. Mais une mère désire tout un fils. En fait, même pas tout un fils, tout un peuple, à cause de son fils. C'est ce que nous sommes. Isaïe représente la plénitude. Isaïe représente quelque chose qui va permettre à l'homme de traverser les âges. C'est par lui que le monde est envoyé par Israël. C'est par lui qui va naître Jacob. Mais Dieu demande la même personne. Dieu demande la même personne. Et quand Dieu demande la même personne, Dieu est conscient que c'est moi qui ai donné Isaac et c'est moi qui vais répondre aussi Isaac. Et qu'est-ce qui se passe? La femme est venue. Vous allez comprendre une chose. Que quand Dieu demande, il veut voir ton cœur. Ton travail est devenu Isaac. Il est plus important que les autres. Je t'ai dans ça. Où tu travailles jusqu'à 22h, 23h. Tu n'as même pas le temps pour ta famille. Tu n'as pas le temps pour ta mère. Tu n'as même pas le temps, même pas encore pour Dieu. Imagine pour les autres, les gens disent que tu n'as pas de temps. Et pour Dieu, que tu ne vois pas. Il s'agit de devenir une idole. Ton travail, c'est une idole. Ton mariage, même pour que tu es marié, est-ce que tu es toujours spirituel? Même que tu as des enfants, bien que mes enfants, mes enfants, mes enfants. En tant que prier, c'est devenu mes enfants. Au nom de mes enfants. Sois guéri au nom de mes enfants. Mon ministère, mon pastorat, mon apôtre, mon apostolat, mon évangélisation. Tu m'as pu faire ce choix. On est collé au titre de coller et être amoureux de Dieu. Revoyons notre manière de faire. Celui qui était hier, il est aujourd'hui. Et demain, il est juste. Pour finir, je veux dire quelque chose. La Bible n'est pas un texte de l'heure. Paraît que les gens l'ont écrit, paraît que les gens l'ont dit. Ce n'est pas un best-seller.
C'est pas un livre à science-fiction. C'est pas une projection dans le futur pour faire Apocalypse comme film. La Bible est vraie. Toi qui crois que Jésus-Christ est seulement à la porte, je vais te dire que Jésus-Christ est déjà le Christ. Dieu a besoin des gens qui l'aiment. Dieu a besoin des gens qui l'aiment. Bien aimé, quand tu vois Dieu, il détruira tout ceci dans le milieu de toi. Dieu a besoin des gens qui l'aiment. On est allé à un mariage. Non, ça je ne l'ai pas dit. Mais Neymar, c'est devenu une idole. Vous ne pouvez pas imaginer combien les choses ont changé. Où en es-tu avec Dieu? Est-ce que cette nuit, lui qui est avec toi tous les jours, il t'a parlé? Tu l'as entendu? Tu l'as senti? Tu l'as vu? Abraham l'avait vu. Et nous sommes comme les prophètes Isaïe, voyant la gloire, mais craignant de mourir. Mais Abraham, étant sous la loi, quand il le voit de loin, il court vers lui. Tu l'as vu cette nuit? Il t'a parlé cette nuit? Est-ce que tu as marché avec lui cette nuit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comment quelqu'un qui est avec toi ne parle pas? Ça veut dire que ça doit être un fantôme. Que tu as Jésus, qu'est-ce qu'on voit à côté de toi? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment le roi de ta vie dans ton cœur? Bien-aimé, je suis de ceux qui croient qu'on doit réévangéliser d'abord dans l'église. Parce que les gens du dehors, quand ils vont venir, ils vont trouver notre manière d'aimer, ils vont rentrer dans le monde, même en étant dans l'église. Je suis de ceux qui croient qu'il faut qu'on réévangélise l'église. Il faut réévangéliser l'église. Si aujourd'hui, il n'y avait pas de service, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu serais? S'il n'y avait pas de cantique, qu'est-ce que tu serais? S'il n'y avait pas de bénédiction, qu'est-ce que tu serais? Est-ce que tu aimes Dieu parce qu'il utilise puissamment? Ou est-ce que tu aimes Dieu parce que tu es amoureux de lui? Aimer simplement, c'est aimer parce qu'on est amoureux. Tu es amoureux de qui? Si tu es amoureux de ta femme, tu es idolâtre simplement parce que tu n'aimes pas Dieu. Attire-moi à toi. Nous voulons réparer nos cœurs. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, c'est que nous, on est loin de lui. Là où tu es, tu sens qu'il y a besoin de venir à manger, je te prie d'avancer. www.casarima.fr